En vrai, ouais. Vous savez quoi? Je pense qu'on va procéder comme ça. C'est plus intelligent. C'est parti. Vous pouvez voter directement pour le Salida. Ce sera plus simple comme ça, les amis. Je pense qu'on s'y retrouvera plus facilement pour le reste des 17 classes. Parce que sinon, si c'est toujours aussi galère à constituer les questions-réponses, ce serait chaud. Donc je vous laisse voter, comme ça beaucoup de gens auront leurs avis différents, mais on parle bien de PVP 1v1. Une catégorie spéciale pour les sadis. Tu veux que j'enlève le debunk et que je marque infâme? En vrai, je vais marquer infâme. Non, non, je vais pas le faire. Après, vous allez mettre des classes qui sont fortes et vous allez les mettre dans infâme. Ouais, en tout cas, je vois qu'il y a de grandes chances que le Wasadi parte en B. Bien sûr, encore une fois, c'est une tier liste de popularité. Vous allez sûrement retrouver quelque chose de plus intelligent du côté de Sapeu, voire du côté même de Tarkan. Je sais pas s'il fait des tier listes. Mais ici, ce sera plus votre avis global qui compte. Donc ouais, on est sur du tier B pour le Sadida. Hein. Donc vous trouvez le Sadida en 1v1 bof. C'est vrai que c'est pas une classe qui a de l'érosion, le debuff est sympa, le retrait, voilà. Mais à affronter, c'est du bof, ok. Il aime pas les tier lists. En fait, faut faire attention avec les tier lists parce que tu peux vite être matrixé. Et je le comprends, hein, tout à fait. Hein. Tu regardes les tier lists, après t'es... Si tu deviens tier dépendant... Pardon, excusez-moi. Je l'ai mis en bof. Bah oui, mais moi, je sais pas... Regarde, il est vert, je le mets en vert. C'est pas comme ça qu'on fait, les gars? Non, ok. En vrai, je pense que Sadi, c'est pas non plus incroyable à affronter. C'est juste chiant à souhait, parce que ça fait vraiment tout ce qu'il faut pour que le combat dure, hein, de ce que je me souviens. Mais rien n'a trop changé, hein, depuis que j'ai arrêté de jouer et que je reprends, là. On est d'accord? Sur le Sadida, il n'y a pas eu de grand changement. À part peut-être le contrôle des invoques qui maintenant est automatique. Ça peut peut-être un peu aider à ce qu'il n'y ait pas des Sadida. Ouais, non, même pas en vrai. C'était bien qu'il y en avait qui les contrôlaient pas, les invoques jouaient vite. C'est presque l'effet inverse. Alors pour bien comprendre, on parle de la puissance en 1v1, tu vois. Pas de ce qui est le plus joué. Parce qu'en soi, même si c'est un peu relatif... Enfin, ouais, tu vois beaucoup de crâne, mais c'est pas pour autant des classes non plus de ouf, je pense. Essaye aussi de référencer quel élément et une strat contre chaque classe, ça peut t'aider. Bah en vrai, là par exemple, on aborde le sujet du Sadida, et pendant qu'on le classe en SSS ou BCD, bah justement, j'essaye d'en parler un petit peu, ouais. Donc là par exemple, vous l'avez placé en B, le Sadida. Mais... Ça serait quoi, en fait, par exemple, l'élément qu'il utiliserait le plus? Que je commence à savoir un peu... C'est quoi l'élément le plus utilisé contre un... Enfin, en Sadida. Parce que moi, en vrai, je vais commencer à noter tout ça. Comme ça, quand je tomberai contre un Sadida en phase de préparation, je me dirais, tiens, il y a de grandes chances qu'il joue ça. Ça joue beaucoup haut et terre. Hein. Au vol de vie. En vrai, ça joue avec le sort qui vole de la vie sur les états infectés, c'est ça? Salut Timo, la mise en place setup lumière néon, t'as eu des idées? Bah comme tu vois, j'ai réinstallé mes lumières. Comme tu peux voir. J'ai réinstallé mes lumières comme ça. J'ai cette petite lumière qui fait un coucou à la carte du monde des 12. Qu'il y a dans la boîte. Et puis bah sinon, j'ai mes deux softbox qui sont là pour contrer les ombres. J'ai trouvé une solution pour que ça soit sombre et que je sois éclairé en même temps, donc c'est cool. Donc ouais, Sadida, c'est plutôt haut. C'est con qu'il n'y ait pas une tier list pour justement les éléments aussi. Ça aurait pu être marrant. Sadida haut. Majoritairement, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est un Sadida haut et que ça fait du retrait, PA, PM, tout ça. Alors ouais, faut fermer la porte. Pas. Faut lancer la lumière. Ok, donc Sadida, on est d'accord. On va passer au Feka. Vous avez très clairement tous voté hein, pour la catégorie B. On va pouvoir passer au Feka. Je pense que là aussi, ça va être très vite
très vite fait en termes de mode le plus utilisé. Sauf si ça a changé quand même un petit peu. Je crois qu'il y a eu des modifications sur le Sadida. Sur le Feka, pardon. Voilà. Hop, pour le Feka, vous pouvez voter dès maintenant, les amis. Pour vous, le Feka, vous le mettez où? En 1v1, hein, attention. Écrit. Parce que quand tu tombes contre un Feka retrait, je pense que... Il y a peu de chances que tu remportes le match. Et encore, il y a des bons joueurs, je pense, qui arrivent à le contrer assez facilement, mais... Pas si ça vaut son SS. Et je pense pas que ça vaut non plus un dé. Très clairement, je pense que c'est dans la moyenne, moi, perso, après, mais... On va voir la popularité de la classe à ce sujet. Le tier A qui se demande où il est. Oh, merci, Colon... Il y a pas de tier A. Ah. Vous avez rien vu. Ok, je suis un débutant pour faire des tier list, ok. Bon, le tier A, c'est le tier S, hein, pour ceux qui sont en train de voter pour le tier S, ok. Pour vous, vous êtes quasiment tous d'accord pour dire que c'est pas une classe de une classe SS, mais plutôt une classe A. Ouais. Ouais, d'accord, ok. On va le placer, du coup. Ok, donc pour vous, c'est vraiment une classe incroyable en 1v1, le FK. Parce que là, quand on regarde les autres classes, je pense pas qu'il y aura énormément de classes en SS. Ça pourra être vite côte à côte à d'autres classes, comme par exemple le Steamer ou l'Héliotrope, quoi. Merci pour le sub, Gilash. Merci, Sokmovi, aussi. Comment vous allez? Ça dit gagne FK en 1v1. Alors ça, par contre, c'est sûr que dans les tier list, on peut pas réussir à faire comme Dofus, ça. Il y aura toujours une classe qui sera forte sur une autre classe, mais ça voudra pas dire que de manière générale, elle est plus forte. T'auras un match-up qui sera difficile contre telle classe, mais c'est pas pour autant que ta classe sera moins bonne de manière globale. Donc pour vous, ouais, le FK, ça serait un rang A. Je vais faire un truc juste avant. Sokmovi, Gilash, merci pour vos subs, les amis. J'ai remis en place quelque chose. Si vous êtes un viewer de longue date, vous vous souvenez, je l'ai beaucoup modifié. C'est un peu en work in progress pour le style. Mais en tout cas, petite roulette. Petite roulette à faire tourner pour Sokmovi en premier. C'est parti. Si jamais le son est trop fort, vous me le dites, j'essaierai de le régler au fur et à mesure du stream. Et 99 000 Kama pour toi, que tu peux récupérer quand tu veux, Sokmovi. Je vais juste te noter au cas où. T'oublie pas non plus Tennis et Tierlo. On l'avait enlevé il y a très longtemps, cette roulette, que je remets en place maintenant. Le son est un peu fort, merci. Je vais essayer de trouver pour baisser le son de cette truc. Elle doit être pas loin, je pense. Hop, et on fait tourner rapidement pour Gilash. Et Gilash, lui, qui remporte 49 000. Pour l'instant, pas eu encore de gens qui ont eu suffisamment de chance pour tomber sur les cases rouges. Ah, la roue, voilà. Oui, c'est bon, je me souviens, tonton. Ah, toi, t'es un viewer de l'ancienne gêne. C'est bien. Alors, cette roulette, faudra que je trouve où baisser le son. Je ferai ça directement quand on aura fini ce qu'on est en train de faire là. Je vais récupérer ici si vous voulez les gamins. Alors, Aureluin qui dit la mage Ataraxis est moins abusé, mais il est toujours fort si joué retrait effectivement. Salut à toi. Tu as vu Samuel Etienne sur Dofus? Si oui, un avis de comment ça a été fait. J'ai vu Samuel Etienne sur Dofus, ouais, ça avait été proposé par Humility sur Twitter. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, j'avais republié le truc. Après, j'étais pas là hier, donc j'ai pas pu voir le live pour la gaming pour Sidaction. Mais je pense que ça devait être cool, non? Ça devait être cool. Donc je vous ai noté, hein, y a Tijarlo qui doit récupérer ses Kamas, Tennis, Sokmovi et Gilash. Merci à vous les gars. On continue notre tier list, vous avez voté à 76% pour le FK. 76% pour le FK en catégorie A. Le FK qui est donc le plus joué comment? N'hésitez pas à le noter dans le chat, vous le voyez comment le FK? Je pense que vous allez tous dire retrait, mais
Quel est le mode ou l'élément le plus joué? Je vais devoir trouver un autre stylo, je pense. Parce que rouge sur rouge. En 1v1, vous trouvez que le FK est le plus souvent joué multi? Feu ou terre? N'hésitez pas à m'envoyer un échange, genre le tennis, Suck Movie et Guilash. Feu au retrait, feu. Feu de crit, retrait. Moi j'ai l'impression que c'est ça, hein, que ça n'a pas changé hein, depuis le temps. Hein. C'est toujours un FK feu, feu de crit ou retrait quoi. Neutre, clin d'œil, clin d'œil. Ouais, FK neutre. Je joue pas FK retrait les gars, je joue FK neutre, ok? Salut Mamat, comment tu vas? Ah, ça marche Guilash. Bah écoute, je mets une petite croix sur ton gain. Bah moi je me demande aussi avec la mâche, s'il n'y a pas des changements sur le gameplay, mais visiblement, en tout cas ce qui ressort le plus encore une fois, c'est le Sadida feu. Le FK feu, pardon. Le FK feu. Et le FK retrait. Ret, et pour le Sadi, on avait dit haut. Oh. Ok, donc ça n'a pas trop changé, hein, ça encore, pour l'instant. Ça n'a pas encore trop changé, pour l'instant. Ok. Air Croco, je pense que ça doit taper fort, ouais. Mais qu'est-ce qui a changé pour que les FK jouent plus Air qu'avant? Bon, après, ça se jouait un peu, mais qu'est-ce qui aurait changé? Je sais qu'avant, il y avait un peu le trou noir mode, l'ancienne. Tennis! Est-ce que tu peux me confirmer sur Twitch, dans le chat Twitch, qu'il s'agit bien de toi, la FK4 avec cette coiffe d'apparat? C'est bien toi? Très bien. Donc tennis, c'était pareil, le même gain. Les tâches de songe, c'est bien passé? Hop. C'est puissant, mais il y en a peu. Je sais qu'il y avait le système un peu trou noir à l'ancienne, tu sais. Ok. Donc c'est bon pour le FK, je pense qu'on peut passer à une autre classe. Salut Cappuccino, comment tu vas? Cappuccino. Donc maintenant, on va passer au Panda. Ça, c'est une classe franchement qui m'étonne, en vrai. Parce que j'ai beaucoup joué le Panda en PVM. Et on m'a toujours dit que c'était une classe de merde. Et dernièrement, j'ai fait que de le voir dans des vidéos YouTube. Des gens en 3v3, bon là, on parle de 1v1, mais des gens en 3v3 qui jouent le Panda et qui le mettent dans des compos en mode tank et tout. What the fuck? Alors, Panda... Panda 1v1. Voilà, vous pouvez voter d'ores et déjà dans le chat en tapant 1, 2, 3, 4, 5 pour le classement du Panda sur la tier list. Moi, franchement, après, je préfère ne pas m'exprimer pour pas non plus influencer. Je pense que c'est C. Hein. En 1v1, tu tapes pas non plus de dingue. Par contre, tu tankes de ouf. En vrai, tu tombes sur l'une des... Tu tombes sur l'une des 10 classes qui n'érotent pas dans le jeu. Tu te fais fumer, je pense. Tu tombes sur... tu gagnes, je veux dire. Hein. Tu tombes sur l'une des 8 classes qui érodent, tu te fais fumer, je pense. C'est full PVP, Mamat. 1v1. Ouais, donc là, c'est vraiment... ça hésite grandement entre B et C. Ouais. Si c'est ça, on refera un petit stropole entre B et C, justement, pour que vous puissiez revoter. Mais là, c'est du ex-aequo entre B et C. Du coup, ça voudrait dire que c'est soit le dernier des B ou soit le premier des C. Moi, je trouve que Panda en 1v1, c'est pas dingue. Après, ça peut outmap pas mal de choses, mais il y a quand même 8 classes sur 18 qui érodent. Et je pense qu'elle est vraiment très, très sujet à l'érosion. Après, faut pas oublier, hein, c'est l'une des seules classes aussi qui peut taper sans ligne de vue. Hein. Merci le bambou. Bah ouais, c'est ça en fait. Elle peut poser facilement un ébène parce que tu mets le bambou pour 2 PA. Tu tapes une flamiche 2 PA, t'es déjà à 4 PA quand même. Et après, tu peux placer ton ébène assez facilement, mais ça manque quand même de rocks. Ça a quand même beaucoup de mobilité. Mais
Je sais pas. C'est assez complet le panda, mais c'est sûr qu'en 1v1, c'est pas là où il va exceller le plus, je pense. C'est naze en 1v1 d'après toi, ouais, Kali. Pandao, pas viable, je connais que en PVM, le mien, mais 4... Ouais, mais c'est fort, en vrai, tu peux faire des bons dégâts, mais c'est pas non plus à l'égal de ce que peut faire une autre classe. En fait, les pandas, ça demande de la préparation, il y a de la vulné derrière, il y a beaucoup de choses, garder son vulbis et tout, tu vois, par exemple. Mais en PVP, c'est différent. En plus de la résistance des joueurs en face, qui est assez compliqué à... Tu viens vite à taper pas grand-chose par rapport au PVM, quoi. Alors, d'après Reperk, ça bloque les scintilles d'Ococo, debuff, régène, tacle. Ok, ça mérite son B. J'avoue que moi, je le mettrais pas en C non plus, hein, perso. Mais je le mettrais pas non plus côte à côte au Sadida, qui a quand même plus de cartes, je trouve, que pour le PVP 1v1 que le Panda. Ouais, donc vous votez quand même... Ah, vous votez quand même pour C. J'avais cru que c'était en B, majorité, d'accord. Salut Adri, comment tu vas ? C'est fort parce que les joueurs panda jouent bien aussi. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il faut faire une tier list avec vous, là, de popularité, un peu, sur l'efficacité de la classe en 1v1. Mais tu peux avoir une classe D, que vous allez voter D, par exemple, qui sera bien plus forte qu'un SS God si l'autre, il joue mal. Hein. Mais ouais. Ok. Donc, je vois que c'est vachement serré entre B et C. Donc ce qu'on peut faire, c'est que si vous regrettez votre vote, on va juste faire un Stropol Panda 1v1 et on va mettre B et C, ok? Donc Panda 1v1, on peut réitérer, et on va juste laisser B et C. Comme ça. Ops, pardon, excusez-moi. Voilà. Vous pouvez voter dès maintenant pour départager comme il faut le Panda. Ça se jouait quand même à un vote, donc un vote de différence, il valait quand même mieux qu'on recommence. Bon sinon, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Juste après, nous on ira reroll Enutroph sur mon personnage principal. Et en vrai, on parlera ensemble du mode, le premier mode que je vais utiliser sur l'Enutroph, je sais pas trop encore quoi. On verra bien. Ouais, pour voter, il faut taper 1 ou 2 dans le chat. 1 pour B, 2 pour C. Oh, j'ai envie d'aller me prendre un grand verre d'eau. Ah oui, au fait... Vous avez vu mon tweet sur Twitter, pour le coup. Vous avez vu ça? Okama qui m'a envoyé ça, un petit colis, là j'étais pas au courant du tout. Je trouve ça vachement sympa. Le verre il est incroyable, je trouve. Bon, je sais pas si vous arriverez à avoir quelque chose dessus, sur l'écrit. C'est marqué. Remets-moi à l'endroit où je t'en retourne une. Je le trouve vachement sympa. Bon, c'était avec la bouteille de cassis pétillant, mais les verts sont incroyables. Je vous laisse voter encore un tout petit peu, je vois que le B est quand même en tête de liste. Un ou deux pour placer le panda, pour départager votre précédent vote. Et ensuite on place le panda et on parlera des modes qu'il utilise. Je vais juste me faire un grand verre d'eau et j'arrive. Voilà. On va prendre ça. Donc c'est bon, vous avez voté ouais, en majeure partie pour B. Je pense qu'on peut placer du coup notre cher panda en B. Mais on est d'accord, pour l'instant on va pas le placer comme ça, mais je pense qu'il est quand même en dessous du Sadida. Hop. Ok. Qu'est-ce qui est plus joué comme mode sur le panda? Je pense que ça se joue vraiment différemment d'un point à l'autre, mais moi perso je pense que c'est le mode R qui se joue plus. Mais... C'est toi qui as un amour, hein. Voyons. On peut parler du roublard maintenant. Le roublard, classe qui a beaucoup fait parler d'elle dernièrement. J'ai pas spécialement suivi les modifications sur modification de la modification de la modification de la modification de la modification du roublard. Du coup, j'ai l'impression que maintenant, c'est les bombes qui invoquent un roublard hein, et qu'on peut booster le roublard. Ou alors, c'est les alliés qu'on invoque et on booste les bombes des roublards de l'invoque.
de l'allié. Non, j'ai pas suivi, tu vois. Je... Roublard en V1, je vous laisse choisir son positionnement. Voilà, c'est parti. Beaucoup de choses ont changé chez le Roublard. Je vous avoue que moi, je suis un peu paumé. Et ça, ça fait partie des classes dont j'ai le plus besoin de votre avis. Ok ? Vous pouvez voter en tapant 1, 2, 3, 4 ou 5 dans le chat pour qu'on place le Roublard dans l'une de ces cases. Salut Doublec. Hein ? Qu'y a-t-il, monsieur Doublec ? Fidèle au poste aussi longtemps que je le pourrai. Salut Sangrepinel, bienvenue à tous les gars. En colis random, c'est Desgeg, en tournoi, c'est God tier. Après, il faut voir qui joue le rouble. Bah ouais, c'est sûr que c'est ça qui compte, quoi. Encore une fois, moi, ce que je vous demande surtout, c'est plutôt d'admettre que, par exemple, c'est la même personne derrière le personnage. Tu vois, quelqu'un qui connaît sa classe. Pas forcément un God, parce que ça pourrait être une classe D qui bat une classe S assez facilement si le mec joue très bien, tu vois. Que veux-tu, monsieur Doublec? Je ne crois pas avoir fait tourner de roue pour toi. Tu viens récupérer ton ocre, Omera? Attends, je crois qu'il est là. Ah, faut surtout parler des capacités de la classe. Ouais, Yem, je me souviens, mais je crois pas que j'ai fait tourner de roue pour toi, Yem. Donc ouais, vous le votez vraiment en majorité pour A. Donc vous prenez le Roublard pour une classe A. On en parlera après du positionnement de chaque classe, de qui est par exemple plus fort en classe A, en classe B, etc. Ah oui, Yem, excuse-moi, c'est Tonton. Tonton qui t'a offert. Tonton qui t'a offert, c'était quoi son gain, Tonton? Oui, Yem. C'était quoi le gain de Tonton? Je me souviens plus. De Kama. Ah oui, il n'y avait pas de cadeau et du coup j'avais dit 99 000 Kama parce que j'avais pas pris le temps du cadeau surprise. Bien vu. Là, on est un peu trop là. Ok, bah très bien. Merci à toi de Black. Salut Boukouti, comment tu vas? Donc le Roublard, vous trouvez qu'il se joue le plus souvent quel élément quand on croise un PVP 1v1? Tu veux ton ocre? Ah, échange annulé, mince. Ça a bugué. En vrai, moi, je... Ah bah, j'allais dire ça. J'allais dire au retrait, les gars. J'allais dire au retrait. Qu'est-ce qu'il veut, Omera, là? Alors, Omera, c'était 99 000 Kama. Oh mais non, j'en ai déjà trop, des élixirs uchroniques. Ah, j'en aurais plus. J'allais dire O aussi, moi, pour le Roublard. Ouais, c'est Aurette ou Terre. C'est marrant que le mode feu ne se joue plus trop. Ça a tant changé que ça. Prends mes élixirs contre tes yeux. Du collier. Ouais, bon bah je vais le noter comme ça. Je suis pas encore super convaincu pour le Roublard. J'ai l'impression que le mode feu était toujours quand même le truc le plus utilisé. Mais je suis d'accord pour le mode haut. Le Roublard, donc vous dites que c'est le mode haut retrait. R fin. Au retrait ou terre, le plus joué. Ok, je ferai gaffe du coup. Merci à vous. Donc, on va pouvoir parler du Zobal. Je vais acheter mon doc maintenant. En vrai, s'il a baissé de prix, tu peux peut-être te l'acheter maintenant, non? Le retrait sur le mode haut supérieur au mode feu. Bah ouais, en vrai, je vous comprends. Hein. Zobal 1v1. Hop, c'est parti, vous pouvez voter en tapant 1, 2, 3, 4, 5 dans le chat. Salut Bag, comment tu vas? Mais moi, ça me fait plaisir de vous retrouver, les gars. Là, on fait cette petite tier list qui va m'aider à commencer mon PVP 1v1 et futurement 3v3. Donc là, c'est une tier list 1v1. Ah bah super. Et une fois qu'on aura fait ça, moi, je fais mon reroll et nutrof. Et on va tryhard sur la classe. Salut Boukouti, je n'ai pas changé de pièce, j'ai juste tout changé dans la pièce. Si vous voulez, je vous ferai un... une petite... comment dire...
vous montrerai à la caméra comment c'est d'un point de vue extérieur. Ok. Merci, un room tour. En vrai, avant, comme je disais, le bureau était là. N'oubliez pas que c'est une tier list 1v1. Je vous laisse voter, hein, bien sûr. Mais n'oubliez pas que c'est une tier list 1v1, encore une fois. Vous voulez le room tour pendant que les gens votent ? Encore un peu le bordel. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Je vais vous montrer... J'ai ma plante. S'il y en a qui sont là sur le stream depuis très longtemps, vous allez capter, la plante a beaucoup changé. Après, j'espère que cette caméra n'est pas en train de rendre l'âme, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'arrivais pas à l'utiliser comme il faut. Donc on va voir ça tout de suite. Ça va. Ok. Vous vous souvenez de cette plante ? Regardez comment qu'elle monte. Elle était comme ça avant. Il n'y avait qu'une seule feuille. C'était il y a 4 ans. 4 ans, 5 ans. Voilà, elle monte. Donc, j'ai refait l'acquisition d'une Béatrice. Donc, c'est cette petite plante. On l'a appelée comme ça un jour avec madame. Mais notre chat l'a mangée. Voilà, je ne saurais pas comment vous dire autrement. Déception. Voilà. Donc, je peux pas aller très loin avec cette caméra, mais je peux vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, le bureau est maintenant au milieu de la pièce. Donc, la porte-fenêtre est là. J'occulte un maximum la lumière. Ça, c'était derrière, ce que vous voyez avant, avec l'ancien décor, avec la porte. Et en fait, la caméra était comme ça. En comme ça. Okay. Et donc maintenant, on a ça. Et Monsieur Bobby. Et la petite carte du monde des 12. Va vous montrer mieux. Voilà pour le room tour. Et si vous voulez un peu de vision d'horreur. On est sur un bureau debout, alors le cam management, c'est assez compliqué. Ah, je suis désolé, hein, mais quand t'as un bureau motorisé comme ça, c'est... Quand je serai dans mon chez-moi, dans la maison qu'on achètera avec madame, je pourrais faire des travaux et faire quelque chose avec du placo et tout, mais... Hop, c'est bon. Vous avez tous voté, du coup, pour majoritairement B. Je pense pas trop qu'on puisse refaire un partage entre B et C. Vous êtes quasiment tous d'accord pour dire que le Zobal, ça vaut un B. Je pense que ça vaut au-dessus du panda quand même. Ok. Quelques petites références Pokémon. Tu parles de ça ? Avec les jeux juste à côté, les trois Pokémon. La petite Game Boy. Coucou à Diboykra, comment tu vas ? Donc on a mis le Zobal, vous avez voté pour le Zobal en B. Le Zobal, ça serait quoi comme mode qu'on risque de croiser le plus souvent ? Dites-moi. Là, moi, si je puise dans ce que je me souviens, on voyait beaucoup de Zobal Théroïdes, mais c'était il y a longtemps. Alors qu'est-ce que ça joue quoi maintenant ? Je ne sais pas. Le Zobal a un peu changé avec Carnavalo et tout. Oh, Riperk! Riperk, merci pour le sub! Prochaine classe qui est le Steamer. Là, je compte sur vous aussi parce que c'est une classe que je ne connais pas du tout en PvP. J'ai l'impression que ça va se jouer surtout Dopu. Je sais pas, je pense que c'est une classe SS pour moi, mais à voir ce que vous en pensez, vous. On passe au Steamer. Hop. Salut Sotiz, comment tu vas?
Oui, c'est 5 minutes. Pour l'instant, vous êtes en train de le mettre vraiment en SS, ça m'étonne pas du tout. Hein. Partout, ils annoncent de la neige et du bon vent froid à venir, c'est vrai? Oh. En vrai, moi ça va, j'aime bien la neige, mais j'avoue que les temps de printemps me font vraiment du bien. Yo Sosa, comment tu vas? Donc ouais, vous avez quand même majoritairement, mais ultra majoritairement, placé le steamer en SS. Je pense pas que ça se rediscute du coup. On peut directement le placer et vous poser la question. À votre avis, ou du moins ce que vous voyez, c'est quoi l'élément le plus vu et utilisé en 1v1 quand t'es steamer? Comme ça, je note ça tout de suite. Et quand je tomberai contre un steamer, je saurai s'il y a de grandes chances que je tombe contre quoi. Ouais, ça fait rager les steamers. Dopu ou R Dopu constamment en 1v1. Ouais, multi de crit ou Dopu, multi. Ils ont tout le temps, ouais, tout le temps les deux modes là. Multi de crit ou Dopu. Multi de crit, Dopu. Multi mais pas de crit. Vous voulez dire avec la nouvelle panoplie? Multi no crit. En vrai, vous vous souvenez à l'event Bonta versus Brakmar, Uz, il avait joué son steamer avec le nouveau stuff là, de l'aurore pourpre. Ça mettait des embuscades à moins 2000 en PvP. Ouais, le Steam, c'est incroyable, je pense, ouais, comme classe. C'est vraiment une classe qui mérite son SS, je pense. Salut Jubé, comment tu vas? Eh oui, de retour, ça y est. Ouais, les embuscades, c'est fort. Donc on est d'accord, multi, je marque multi. Comme ça, au moins, on saura que c'est du multi. Do crit, en fonction, je verrai si je vois ça. Et Dopu. Je pense que le Dopu, ça dépend de la classe que tu joues. Si le mec il a plusieurs builds du moins, je pense que ça dépend de la classe que tu joues quoi. Si t'es un FK, je pense que il va kiffer jouer Dopu contre toi. Sonar à 14 PO, c'est quoi ce bordel? C'est un Kra ou c'est un Steam? En plus ça peut se longue vue et tout. Ouais non c'est marrant, c'est marrant. Ok. Bon le steamer ça a été du vite fait, on peut directement passer à l'héliotrope. Ça marche? C'est cool de faire ça ensemble les gars, ça me fait plaisir. Hein. J'espère que je parle pas trop avec les dents serrées parce que dernièrement j'ai eu des maux de dents. J'ai eu mal aux dents. Et du coup, bah, j'ai beaucoup serré les dents. Hop, c'est parti. Et du coup, j'ai tendance à parler un peu comme ça, tu vois. Alors oui, je viens de dire que j'ai eu des maux de dents, mais je suis en train de bouffer des bonbons aussi. De retour, Reaper. Ah, tu es le premier à avoir subi mon courroux, ou le courroux de la tourelle, de la tourelle, j'allais dire, de la roulette. Pour moi, l'héliotrope en 1v1, c'est devenu très compliqué depuis la maîtrise des invoques. Je pense que c'est un peu un truc obvious, mais je pense pas que ça mérite son C. Attention quand même. Je pense pas que ça mérite, on sait quand même. On part du principe que tout le monde sait jouer sa classe. Dans tout le choix de tier list qu'on fait jusque maintenant, on part du principe que quelqu'un qui joue sa classe, je sais pas, à 80% bien. Partout, pareil. Le seul problème de l'héliotrope à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment ça, la maîtrise des invoques. Mais en vrai de vrai, même s'il joue sans ça, il fait quand même de très bons dégâts. Sans spécialement chercher à devoir étendre sa portée un maximum. Donc ouais, vous êtes quand même tous à le mettre en C. Moi, je vous crois. Je vous fais confiance. Je suis pas au cœur du PVP pour le ressentir à ce point-là.
Mais ouais. Mais en vrai, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que dit Sangrepinel. Faut quand même beaucoup de casser la tête pour avoir un même rendu. On parle de 1v1, 3v3, c'est totalement différent pour moi. Salut MD Yoshi. C'est vrai que ça m'a choqué aussi. Mais je t'avoue que ne jouant pas en PVP, j'ai envie d'y croire, me dire effectivement peut-être que la maîtrise des invoques leur a complètement cassé la gueule. C'est marrant qu'un seul sort global puisse faire descendre autant de classes. Parce que avant, l'héliotrope, dans les tier list d'il y a 2 ans, là, tu mettais l'héliotrope tout le temps en haut. Salut Swaglion, tu veux un Yopfeu ou un Dopu? Moi je te conseillerais peut-être plutôt un Yopfeu. Parce que Dopu, ça doit pas être super facile à jouer en toutes circonstances. Hein? Pour moi, l'héliotrope, il vaudrait quand même son B, mais je suis d'accord avec vous pour le C, pour le coup. Ok. Je pense que ça va quand même faire crier beaucoup de gens dans le chat. Mais c'est comme ça, vous avez voté. Mais vous avez voté quand même en grande majorité. Dites-vous, il y a quand même 16% de gens qui l'ont mis en D, hein, en Burk. Ça veut dire là, tu le mets à côté des classes les plus nulles. Ça me fait quand même bizarre, mais je vous crois. Ok. Donc pour vous, c'est quoi le mode qui est le plus utilisé sur l'héliotrope en 1v1 ? Que je puisse noter ça de mon côté. Moi, je pense que c'est feu, ouais. Après, le R est beaucoup joué pour le retrait PM que ça peut faire. Stuff suicide. Des mecs, ils font pas du PVP, ils font gagner des colisétons aux autres. Stuff suicide. Ok. Donc, Helio, ça n'a pas changé, mis à part son classement. Ça joue toujours R ou O, R ou feu. Ok. Je me souviens d'une période où les Heliotrop jouaient beaucoup haut. Les gens, ils étaient là, ouais, tape à travers les murs, c'est incroyable et tout. E. R. Ok. Je vous crois. Je pense que le terre est pas mal quand même, mais s'il est pas populaire, il est pas populaire. Ça marche, Lars. Merci d'être passé. Gros oubi partout. Bon, bah, je vous crois, les Heliotrop s'est torché. 12 quand même, hein, 12 votes. Hein. Il n'y a même pas de... Voilà quoi, c'est... Les autres, ils sont à 3 votes et tout, c'est compliqué quoi. Ok. On peut passer à la prochaine classe qui est l'Upper Mage. Upper Mage. Upper Mage, hein, vous dites comme vous voulez. Upper Mage. À votre avis. On regarde Barbe ? Pour moi, l'Upper... Après, je dis rien parce que je vais vous influencer. Je vous dirai ce que je pense après. Et yo les blonds, comment tu vas? Comment vous allez? Parce que je sais pas qui est derrière l'écran pour le coup. C'est vrai que quand tu comprends l'héliotrope, c'est bien différent. T'as l'air de ouf compliqué. Alors que pas... Si t'as pas de problème avec la redirection, la symétrie... Pas de problème. Alors moi je vous le dis parce que maintenant je vois qu'il n'y a pas eu de vote dessus. Pour moi c'était un SS. Pour moi c'était un SS. Après... Comment va Monsieur Leblon? En tout cas il est collé serré avec ABC là. Surtout beaucoup A. En dessous quand même des classes SS, ouais. J'ai l'impression que le peur, il peut tout faire très bien. Tu vois ce que je veux dire? Après, comme j'ai dit, comme je suis pas un joueur PVP, bah, mes avis sont pas spécialement très pertinents, mais ouais. Après, ce que je peux peut-être lui reprocher, c'est la difficulté d'éroder. C'est un peu chiant, je pense, à éroder avec un upper, non? Obligé de faire de la combi et tout. Quand t'as un Ekaflip qui fait miaouche, qui érode, qui tape en même temps.
En tout cas, vous êtes très clairement à dire que le parmage, il est en A. Je pense qu'il est en A au-dessus de cela, pour l'instant. Ouais, voilà, l'héro, en fait, de l'upper mage est compliqué. Après, c'est bien que son érosion soit sur le mode haut, c'est pas trop mal non plus, parce que c'est généralement les classes 4 qu'on érode plus facilement. Salut Blasius. J'ai pris le temps de refaire tout mon bureau et j'ai tout changé de place. Voilà ce qui s'est passé. J'ai fait un petit tour caméra, un room tour tout à l'heure. Au besoin, dans la journée, je vous en referai un. Pour moi, le permage est bien au-dessus du FK en PVP. Mais bien sûr, on n'y a pas d'entre-deux, tu vois. L'entre-deux se fera sur le fait que bah, je le mets devant, tu vois, pour dire que bah, il est quand même au-dessus. Mais sinon, c'est compliqué, quoi. Ok. C'est bon. Pour le permage, on est tous d'accord pour dire que c'est un A. Très bien. Pour moi, c'est un bon A. Maintenant, la question, c'est quel est l'élément qu'on rencontre le plus en upper mage, quand tu tombes sur un upper mage. C'est de la tier list PVP 1v1, votée par la communauté, les gars. Bienvenue à tous. Merci Blasius. Jouer courant et laisser polarité compliqué. Ouais. J'avoue que ça a l'air compliqué en vrai. Danette Caramel, c'est qui ça? Ça serait O. Ouais, tu vois, là, par exemple, il y a O, O, R ou Ter, R. Globalement, ouais, je pense que le permage est meilleur en PVP 1v1 que le FK. Et puis, il me semble que si jamais on veut aller par là, par exemple, pour le retrait, il me semble que le permage peut faire du retrait, non? Merci d'avoir mis la best class en God. Ah, tu sais, je suis d'accord avec le choix de la commu, Janko. Les amis, on va passer sur Ujinak. C'est parti. Je vous laisse voter, on continue la tier list. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une tier list 1v1. Tier list de popularité, pour savoir comment placer la classe en fonction de sa puissance. Et c'est vous qui votez, c'est vos votes qui font cette différence. Et à l'issue du classement, je demande à chacun d'entre vous l'élément que vous trouvez le plus quand vous rencontrez cette classe. Donc pour l'instant c'était Sadida, on les croise plus souvent en haut, PK plus souvent en feu ou retrait, Panda plus souvent air ou terre, Roublard plus souvent haut retrait ou terre, Steamer plus souvent multi ou dopu, Helio plus souvent feu ou air, et en ce qui concerne le permage, c'était souvent air ou haut que vous m'avez dit, mais quasiment tous les éléments ont été cités. C'était quoi ça? J'ai entendu une musique de sub, J'ai entendu une musique de sub, non? Il y a rien. J'ai entendu une musique de sub et j'ai rien dans mon fil. Salut, j'ai une question. Je suis débutant dans le jeu. J'aimerais savoir si les songes sont réservés au niveau 200. Tu peux faire des songes 50, mais il n'y a pas de gain du tout. Donc je suis désolé pour le coup. C'est intéressant qu'au niveau 200. Merci pour le follow, et je pense qu'on est d'accord pour dire que j'ai entendu un sub, et vous avez sûrement entendu un sub, vous aussi. Ok. Donc vous avez voté en Ujinak SS. Tiens, c'est incroyable, je pensais pas qu'en 1v1 vous mettriez l'Ujinak en SS. C'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire la tier list avec vous. Et encore merci à Tarkarn pour le raid, parce que ça tombe bien, une communauté PVP, ça tombe bien pour ce genre de choses. Ujinak en SS. C'est si fort que ça. Le Kazunak. Un coup, je suis tombé sur le live de Uz. Il a lancé sa musique, là, pour les Ujinak, là. Ça m'a plié en deux. Ça prend en compte le PVP. C'est ça. C'est du PVP 1v1. C'est ça. C'est une tier list 1v1. JB à Maroc, légèrement nerf, mais c'est toujours God tier. Là, vraiment, je vois que sur la tier list, vraiment personne ne les a mis en BCD. Là, on est sûr que vous les mettez même pas au même titre que les autres. Mais par contre, ouais, vraiment SS. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il a sa classe dans le haut du podium, mais SS God, je savais pas.
Je le voyais pas si fort que ça. Bon, du coup, c'est placé. Après, vite fait comme ça, vous le placez devant ou derrière le steamer? Et surtout, quel élément vous retrouvez le plus sur l'Ouginac? En avion. Que je puisse continuer cette petite liste que je me fais de mon côté pour moi quand je vais PVP avec mon petit Nutrofle. Ah ouais, terre. Mais c'est ouf, genre... Tout ça à cause de... d'Amarok et de... Comment ça s'appelle l'autre? Il y a deux sorters là qui font de la réduction de mêlée. Ah voilà, Molos et Amarok. Tout ça à cause de ça? Terre. Avant, il y avait des Ouginac qui jouaient haut. Hein. Ouais, terre ou haut. Oh, pas mal. Vous savez quoi, je vais noter les deux au cas où, parce que sinon c'est un coup à ce que je me dise, ouais, il va jouer forcément terre. Ouji. Terre plus plus. Ou haut. Ok. Franchement, ouais, ça a l'air monstrueux en vrai, mais bon. Oh, en servitude croco. Ah ouais, j'adorerais avoir cette ceinture aussi. Ok. On va passer à une classe qui, je pense, savoir où elle va être classée. Mais elle a été beaucoup nerf quand même. Elle a beaucoup changé. Je trouve que la classe est devenue vachement brain. On parle de l'Ozamodas. Ozamodas en 1v1. Je vous laisse voter pour le placer dans cette classement-là. On va voir ça ensemble. Salut Kinkui! Pour moi, c'est une classe qui est devenue un peu plus intelligente qu'elle ne l'était avant. On peut toujours la jouer à assez de no brain, mais c'est easy to play et hard to master, j'ai l'impression, maintenant, aux Amodas. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On est en train de faire une tier list tous ensemble. Vous pouvez voter pour placer les personnages un par un, comme on est en train de faire. C'est une tier list 1v1. Salut Voxy, comment tu vas? Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je vais reroll juste après mon personnage principal en Enutroph. Et on va décider de quel build je fais en premier pour faire du PvP. Ouais, ça fait un moment. J'ai changé beaucoup de choses, j'ai pris du temps pour moi et nous revoilà en force. Alors on parle du 1v1 tout court, je pense, parce que le top ladder étant vraiment très restreint et surtout réservé à quand même une... En vrai, là c'est des tier lists assez globales, je sais pas si le mot est bon, mais ça veut pas dire qu'une classe D ne pourra jamais vaincre une classe S. Vraiment, le cerveau de la personne derrière dépend aussi. On ne parle pas de robots non plus, quoi. Donc bien sûr que si on faisait une tier list 1v1 top ladder, il y aurait sûrement 2-3 trucs qui peuvent changer, mais du coup ça voudrait dire qu'il faudrait faire une tier list des joueurs et non du perso. Ouais, je te crois aussi, Lawson. Donc vous votez majoritairement pour SS ou A. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme l'Ouginac, il n'y a absolument aucun doute concernant le B, C et D. Vous avez vraiment voté entre SS ou A. On est d'accord que vous avez quand même plus voté pour SS, pour l'instant. Donc si jamais il ira ici, mais derrière le reste, pour pouvoir ensuite replacer, on le fera ensemble, replacer les classes comme ça. Ouais, j'ai fait une pause, Voxy, ouais. Ça fait un moment que j'avais fait une pause. Je sais pas de combien de temps. En vrai, la pause était longue, je pense. On a fait une petite pause. On a beaucoup changé intérieurement et la pièce aussi. Salut Kawim, comment tu vas? Donc le Zamodas placé, vous avez voté majoritairement pour SS, je vous crois. C'est vrai qu'il y a quand même 9 votes pour 11 sur du A ou du SS. C'est quoi le mode que vous trouvez le plus quand vous tombez sur des Ozamodas? Comme ça, on va voir ça ensemble. Oza R. On est d'accord que maintenant, l'Oza R, ça fait des TP et tout, ça fait des frappes du Xelor. Ou Terre. Ok, très bien. On peut passer du coup à l'Enutroph, la classe qui m'intéresse. Enutroph, ça a changé ça aussi. Hein. Ça a un peu changé. Beaucoup disent que c'est devenu un...
que ça a accentué la capacité cancer de la classe. Mais je pense qu'en vrai, tu peux le voir d'un point de vue où si tu joues pas avec du retrait, bon bah si ça passe, c'est sûr que ça fait chier de retirer des PM ou des PA. Mais tu peux le voir comme un apport de dégâts supplémentaires. Par contre, ça doit pas être non plus insane en termes de dégâts bruts. Pas l'impression que ça ait gagné des dégâts les Unitrophes. On va voir ensemble ça. On va pouvoir en parler. J'ai surtout l'impression que ça a gagné en gameplay, mais entre guillemets, hein, avec de gros entre guillemets. Après, je peux pas être objectif parce que moi, je suis vraiment retombé amoureux de la classe au niveau du changement. Je vous laisse voter. Vous pouvez taper 1, 2, 3, 4 ou 5 dans le chat. Je vais passer celle-là parce que je l'aime pas trop de Justice Deer. Justice Deer. Hop. Pour les Unitrophes. Commencer à le mettre en A déjà. Ok. Bien des fois, tu sais, changer l'endroit de mon bureau et de mon lit, de ma chambre, ça fait comme une nouvelle chambre, c'est sympa. Mais ouais, de ouf. C'est ça qui est bien. Moi, j'avais besoin de changement, moi. C'est devenu des machines en avion. Bon, par contre, ouais, non, j'ai vu ce matin, assez tôt ce matin, j'ai pas pu. J'ai regardé la vidéo de Uz, elle durait 2 heures. C'était son replay quand il a fait son farming zen en Unitroph. Bon, j'ai regardé vraiment rapidement en avançant à fond quand je voulais voir les match-ups que je voulais, tu vois. Mais après, le farming zone, c'est différent. Mais ouais, ça avait l'air quand même de cogner, quoi. Bon, après, c'est comme j'ai dit, c'est du farming zone, donc c'est censé cogner, tu vois. Mais ça avait l'air sympa. Donc ouais, vous dites quand même une majeure partie, vous dites que c'est du A. Il y a le C, il y a quand même au-dessus du B. N'hésitez pas à vous exprimer de pourquoi vous avez voté C et pourquoi vous votez A. En tout cas, on suivra la tier list quand même, votée par les joueurs, et on va le mettre en A, assurément. Je pense que c'est... Je sais pas si c'est au-dessus de ces classes-là, peut-être pas quand même. Pour moi, un Unitroph, après, hein, c'est que moi, j'ai pas l'impression que ça place ici. Je serais peut-être plutôt dans B ou C. Après, si je suis influencé par les autres tier lists que j'ai pu voir... Salut Luffy, c'est une tier list PVP 1v1, votée par la commu. Pour moi en B car il a pas d'héros. Bah ouais, non mais moi c'est un truc qui me dérange un peu dans Dofus et qui m'a beaucoup dérangé sur le choix de mes classes. C'est qu'à chaque fois j'aime les classes qui n'ont pas d'érosion. Et il y en a 8 sur 18 qui ont de l'érosion. Pour vous, les nus méritent largement son A, ok. Je t'avoue que moi je suis assez choqué que vous l'ayez placé aussi haut, mais après j'ai pas encore eu beaucoup de vent concernant les Unitrophes. Les seuls que j'ai vus c'était le Farming Zeum. Et quand j'étais sur le live de Tarkan il y a pas longtemps, il avait joué son Unitroph là juste après la refonte. Il avait pas l'air d'avoir trop kiffé au début le gameplay. Après il avait pas eu des matchs assez faciles je pense. On parle de niveau 200, ouais Aikito, bienvenue à toi. Tu trouves que la voie terre a été détruite? Moi, je trouve que pour une fois, la voie terre de l'Unitroph est intéressante. Imagine que avant, tu ne pouvais pas lancer deux fois ton lancer de pelle. Ça, c'était... Moi, j'ai été Unitroph pendant un petit moment. J'ai commencé Unitroph sur Illizel. Hein. Barbutin, d'ailleurs, vient de ce pseudo Unitroph, justement. Hein. C'était un Unitroph quand je l'ai commencé. Et quand je l'ai rejoué, il n'y a pas si longtemps que ça, la voie terre, ce qui me dérangeait vraiment, c'était le lancer de pelle qu'une seule fois, la force de l'âge, bah, la courte PO... sinon tu devais jouer remblé ou alors obsolescence. C'était assez compliqué, je trouvais, pour faire vraiment des gros dégâts, à moins de te placer correctement pour pouvoir faire des tourbières. Je crois qu'elle a changé la tourbière aussi, je sais plus. Mais ouais. Je trouve le nouvel Anus chiant à jouer, gameplay, enfin il ronfle fort. Ouais, je comprends. Après, Anutroph, en vrai, quand tu le subis, je pense que tu rompiches quand même. Hein. Ça reste un sadidatière pour moi, Anutroph, en vrai. C'est un genre de sadidatière. Ça invoque beaucoup, ça peut faire du retrait, ça survit bien. Je pense que... Y a pas que la pilosité qu'ils ont en commun, les deux. Salut Myria, madame va très bien, on sort de notre troisième échographie à 10h30 là. Notre troisième et dernière échographie. Bébé va très bien, bébé a des grosses joues. Ça nous a fait rire. Bébé a des grosses joues, se porte très bien, mais
Comme moi, je suis né avec 3 semaines d'avance et que madame est... Enfin, je suis né avec 3 semaines d'avance, je faisais 4,80 kg. Et madame était un bon bébé aussi. Bah, en fait, bébé, il commence déjà à être... voilà, quoi. On sent qu'à la naissance, on pourra l'inscrire au sumo. Il est déjà bien costaud, le bordel. Donc, ouais. Donc, faut faire un peu attention, mais sinon, il est en très bonne santé et tout va bien. Vivement fin mai. Je joue et nous depuis 12 ans, et personnellement, ce nouvel ennui est des changements que je souhaitais, mais dans la globalité, le gameplay m'ennuie. Ah ouais? Je suis content du up de la voix haut et du up feu. Le mode air me rend zid car c'est du mieux. Ouais, je comprends, je comprends. Ok. En tout cas, vous avez voté et il est placé en A. Très bien. Ok. Donc maintenant, maintenant que ça a changé, c'est quoi l'élément que vous rencontrez le plus quand vous tombez sur un Unitroph? J'ai envie de dire air. Les voix très bien jouer air et spammer le retrait PA. Mais je vous demande... Ouais, la voix feu, elle a été up. Alors ça, c'est la seule voix que j'ai regardée. Le reste, j'ai pas trop regardé. C'est la seule voix que j'ai regardée. Je me suis dit, putain, il y a un truc qui fait que lorsque l'ennemi se soigne, il se tape. C'est juste incroyable. Je sais pas ça proc combien de fois. J'imagine un proc à 3 fois ou un truc comme ça. Mais admettons, t'appliques ça sur l'ennemi, et lorsqu'il se prend un soin, il se prend des dégâts. Je trouve ça incroyable. On dirait, vous savez, on dirait la belge carnivore à l'ancienne. Mais sauf que là, il fallait que ça soit toi qui te soigne. Si j'ai bien compris le système. Enfin, la cible. La cible proquait des dégâts autour d'elle. Bêche carnivore qui est passée en feu. Ah ouais, ça a vraiment pas... J'ai l'impression que le fonctionnement a quand même été genre inversé, tu vois. Oui, ça sera Sacha, un petit garçon du nom de Sacha. Mon neveu, quand il avait 1 an, que je lui ai appris à répondre « maman », quand je lui demande, c'est les grosses joues à qui? Ah ouais, stylé. C'est les grosses joues à qui, ça? Maman. Belle fanto au cac, par contre. Non, ça a l'air incroyable, par contre. Tu peux jouer mêlée, feu et debuff. Rassure-moi, il y a toujours le roulage de pelle. Parce que j'adore la voix feu, en vrai. Ah bah non, je suis bête, pas besoin d'être rassuré. J'ai vu la vidéo de Uz et il arrêtait pas de spam roulage de pelle. Non, c'est bon. Ok, donc je vais noter Nutroph. Quand même. Et vous dites que ça se joue le plus souvent quel élément? Air ou feu? Ok. Très bien. On peut passer à une autre classe? Salut Over, comment tu vas? On peut passer à une classe qui va, à mon avis, vous allez peut-être pas tous être d'accord. On va passer au SRAM. Le SRAM qui est la seule classe de cette mise à jour à ressortir avec un passif. Bon, c'est que pour un dégât, c'est que pour un point de dégâts, enfin c'est que pour un sort, pardon. Mais par contre, le showstrap, c'est le showstrap, c'est l'attaque mortelle de 1.29. Du coup. Je vous laisse voter 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9. Non, j'ai conne. Vous pouvez voter. Oula! Y'a personne qui vote autre chose que S? J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le SRAM en 1v1. Non, ça a toujours été en vrai. En vrai, le SRAM en 1v1 a toujours été... voilà. Pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai joué SRAM l'an dernier, justement, quand on faisait un peu de PVP. On jouait SRAM, justement. Hein. Y avait pas vraiment trop de surprises, j'ai envie de te dire. J'ai découvert le SRAM, j'ai appris à faire du réseau en PVP et j'ai fait 47 000 colisetons en une semaine. D'ailleurs, je crois que... Mon short le plus vu, c'est celui du 1v1 aux Abodas. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est du SS. Je pense que voilà.
L'ayant joué, et je trouve pas que ça ait changé, je pense que l'élément en 1v1 qu'on rencontre le plus, c'est R. R-O, le R, voire terre. C'est ça, non? Le SRAM, il est Gucci. Hein. Ouais. Je pense qu'on est assez d'accord. Salut Kraner, comment tu vas? Vous pouvez voter pour le Xelor. Et on va accélérer un peu cette tier list, qu'on ne dure pas non plus trop longtemps là-dessus. Je sais que le message était passé dans le chat, et je crois que j'avais oublié de répondre. Mais je pense que ça se remarque assez facilement, la question qui m'a été posée tout à l'heure. T'es debout ou assis? Alors je suis debout. Je vous avoue que ce qui serait pas mal, ça serait, vous savez, des espèces de petits tabourets de bar comme ça, là, en forme de... c'est penché comme ça. En fait, tu peux... Là, t'es posé, tu vois, tu fais comme ça. Après, en vrai, si je veux m'asseoir, je baisse le bureau, c'est tout. Donc ouais. Waouh, c'est fou, vous êtes tous d'accord pour le mettre en A? Y'a personne qui le met en SS et en B, C, D? Ah, y'a pas eu beaucoup de votes aussi, d'accord. Je vous laisse voter, hein, vous en faites pas. Vous en faites pas, vous pouvez encore voter. 1, 2, 3, 4 ou 5 dans le chat. Non, vous trouvez pas le Xelor en God, ok. On parle encore de 1v1. Hein. En vrai, on retrouve toujours autant de Xelor qui jouent mal, non? Ça prend, faut pas compter là-dessus, hein, comme, encore une fois. Hein. On parle des capacités de la classe, pas forcément du taux de noob qu'il y a dessus, quoi. C'est vrai que quand tu le mets pesanteur, par contre, il fait rien, quoi. Tu le fausses commune, c'est bon. Tu le distribution avec un Nika, c'est bon. Tu le dernier recours avec un Unitrof, c'est bon. Tu le châtiment avec un Sacri. En fait, en vrai, on devrait faire une liste des classes qui sont capables de mettre l'état pesanteur. Et ça ferait quand même énormément de classes qui sont capables d'arrêter le gameplay du Xel. Pendant une petite, toute petite période suffisante pour lui péter la gueule. En tout cas, je suis d'accord du coup avec le fait de le mettre en A. Je pense qu'il a sa place dans le top du classement A, hein, par contre. Hein. Ok, ok. Je vais mettre ma musique préférée maintenant. Celle-là, les gars. Si vous me trouvez un cover de celle-ci, je vous fais l'amour. Ok? C'est ma musique préférée, celle-ci, là. Je vais augmenter le son. Hop. Bon, on est d'accord pour dire que le Xelor, il va dans la classe A au maximum. Ouais, j'aurais quand même mis en SS perso, mais du coup, c'est vous qui votez. Et le Xelor en question, ça serait quoi l'élément que vous trouviez le plus quand vous faites du PVP contre lui? Redbone, la musique. R-E-D-B-O-N-E. Multi. Ouais, tout le monde joue multigla maintenant, c'est ça? Moi, je trouve... Ouais, le EKH à l'époque, ça se jouait beaucoup. Je sais qu'encore avant, c'était feu, là. Tout le monde spammait feu aiguille, là, mais ça a dû mourir, ça. Ouais, multi. RR. On va peut-être plutôt parler du mode qu'on trouve le moins. Je saurais pas te dire, 0IQ. Je sais que celle-là, c'est déjà un cover. Bah écoutez, je vais mettre Multigla. Multigla et...
vais juste mettre Muldig là, du coup. Ok. On passe à l'éca flip. C'est parti, on accélère. Sinon, je vais vous faire perdre beaucoup de temps. Éca flip. C'est parti. Vous pouvez voter dès maintenant. En concernant la musique. Justice there. Et c'est Red One. Si tu veux le lien, je te l'envoie. Donc ouais, les caflips, vous le placez comment? Salut Regnop. Bon, en fait, là non, pas spécialement. Tu vois, je la fais là maintenant. Si tu veux, tu peux faire un clip à tout moment avec Alt X, me semble, ou Ctrl X, je ne sais plus. Mais sinon, j'en vais. Au pire, je ferai un screen et je le posterai. Ça marche? Ce qui aurait été pas mal. Mais j'ai pas beaucoup de temps à chaque fois, après que j'ai fini de stream, généralement j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Ce qui aurait été pas mal, c'est de faire un condensé de tout ça avec beaucoup de cuts, et on en aurait fait une vidéo YouTube. En vrai, ça pourrait être une de mes premières vidéos YouTube. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre le temps de récupérer cette piste et d'en faire un condensé. Je sais pas si j'arriverai à choper le temps. Je vais le noter. Je vais marquer vidéo tier list. Ça peut être sympa à poster sur YouTube, histoire de se faire insulter dans les commentaires par les OTP Heliotrope. Je le fais ce soir si on voque. De quoi que tu me fais ce soir? Donc c'est bon, vous avez voté majoritairement pour... Ah, mais vraiment? L'éca flip, il est bien classé. Hein. C'est quoi qui fait qu'il est aussi bien classé que ça? Parce que j'ai l'impression que l'éca flip, il est intéressant que depuis qu'il rôde. Autant. J'ai l'impression que c'est ça. Après, très clairement, je le trouve quand même au-dessus. Bah, au moins là, quoi. Si c'est pas quand même au-dessus, là. Après, tu me diras, c'est vrai que l'éca flip, il peut jouer quand même beaucoup de modes. Hein. Le mode Wulan, le mode Dopu, le mode feu soin, et quoi qu'il arrive, il est rode très bien. Ouais, je serai en vocal ce soir, lèche-moi, je pense. Bon bah du coup, majorité de vote pour les Caflip. Ok. Bon, les Caflip, du coup, je sais très bien que ça se joue beaucoup Dopu ou feu. Si quelqu'un a à dire quelque chose, n'hésitez pas. Et on peut directement passer pour gagner du temps à l'Enyrypsa. Enyrypsa 1v1 encore une fois, attention. Hein. Ça peut changer beaucoup de choses. Vous pouvez voter. Les main Enyrypsa là dans... Désolé les gars, hein, mais c'est vrai que la classe, elle a un petit problème quoi. Mais bon. C'est tellement différent du 3v3. Bon, elle est très mate dépendant la Enyrypsa en 3v3, mais... Mais ouais. Elle va être toute seule la pauvre là dans Deburk. Il y en a un qui l'a mis en SS. Où es-tu? Où es-tu que je te fume? Ah, oh, c'est Omera. Bah c'est ça en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Nayatsuki. Il y a une classe D qui pourra fumer une classe SS à partir du moment où elle utilisera bien sa classe. Et à contrario de l'autre, par exemple. En fait, le problème de l'Enyrypsa, c'est vraiment sa mobilité. Je pense que tout va bien sur la classe, sauf la mobi. Pour moi, c'est ça juste le problème. Ouais, j'ai acheté les épaulières Vogs. Je les ai toutes achetées. Un Yonkli. Mm. Bon.
Enyrypsa placé. Quand vous faites des 1v1, quand vous arrivez à croiser des Enyrypsa en 1v1, ils sont le plus souvent terre et air, non? Mais ouais, l'Enyrypsa en 3v3, il est incroyable. Mais en 1v1, je l'ai joué moi en 1v1. Bon, ça a peut-être changé un peu quand même depuis. Mais... quand t'es à basse cote et que tu joues terre, tu les démontes, les gars. Mais sinon, c'est fini. Il y a Chinous qui dit un chalutier et les nids passent tour. Tu te rends compte quand même. C'est dur. Hein. Oh, Ether. Oh! Ah bah oui. Non mais on en vient, ça fait pas du haut retrait quand même. Ok. On peut passer à la classe suivante. Le Yop qui a bien changé. Let's go. Oh, merci pour le sub. Merci pour le sub, Marcel, comment tu vas? Yo tout le monde. Je vous laisse voter pour le Yop, les amis. Vous pouvez voter en tapant 1, 2, 3 ou 4 ou 5 pour classer le Yop dans cette tier list. On parle de tier list 1v1. Donc c'est vrai que le Yop a beaucoup changé, donc prenez bien en considération ce changement. Je vous laisse mettre votre vote dans le chat. Comment tu vas, Marcel? Et merci pour ce sub. Petite roulette en ton honneur. C'est parti. Marcel qui remporte 99 999 Kama. Marcel, tu peux les récupérer quand tu veux sur Dofus. Je suis actuellement aux apps d'Astrub. Ça marche ? Salut Muniz, comment tu vas? À la personne de ton choix alors, Marcel. Tu me diras qui. Si t'as un ami sur Elisel ou ce genre de truc. Ok? Donc ouais, vous avez voté quand même majoritairement pour A. Et quand même beaucoup pour SS. Est-ce que vous avez besoin d'en débattre un peu? Ou est-ce que c'est unanime? Vous êtes d'accord pour que c'est plus A quand même que SS? N'oubliez pas que dans SS, on a quand même SRAM, Steamer ou Jinak. Le Yop a beaucoup changé. Mais est-ce qu'il est aussi pété, je veux dire, que ces classes-là? Je sais que j'ai le public de Tarkan, mais justement, je pense, et je peux compter sur eux, je pense, là-dessus, qu'ils peuvent être objectifs sur la classe. Et je vous fais confiance. Hein. La classe a changé, je suis pas au courant à quel point non plus. Si elle a son SS et que vous le dites, c'est que c'est le cas. Hein. Ouais, mais ça me choque aussi, moi, Yoshi. Salut Rajnop. Là, je saurais pas te répondre du tout. Donc, le Yop. Vraiment, il y a un petit ex-écho qui se fait là entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire 13 et 16 votes, sachant qu'il y a 3 votes à côté entre B, C et D. Je vais vous permettre de revoter, les amis. On va remettre le Yop. Je vais supprimer B, C, D. Ok ? Comme ça, vous pouvez revoter et on aura tous nos votes centralisés sur ces deux choix. Oh, j'ai oublié de l'appuyer deux fois dessus comme un gland. Hop, c'est parti, vous pouvez voter. On n'avait pas marché la première fois. Donc vous pouvez voter entre SS ou A pour le Yop. Et ensuite, il nous reste quoi comme classe? Sacri et Kra. Je pense que ça c'est pareil, ça va être compliqué à placer. Sacri, je pense à...
En soi, j'ai pas l'impression que ça s'est fait nerf, mais les classes sont devenues un peu meilleures, de manière globale, tu vois. Et du coup, je le trouve un peu moins dans le top. On verra après. Je vais me servir un grand verre d'eau, parce que je suis en train de bouffer une tonne de bonbons, et à mon avis, ma langue est complètement bleue. Donc je vais me servir un grand verre d'eau, j'arrive, et on verra bien juste après, et je choisirai le... Et voilà, ref. Bon, bah du coup, c'est bel et bien A qui remporte, vraiment majoritairement. Donc c'est parti, excusez-moi. Je pense que, ouais. Le yop a bien changé quand même, hein. Le yop a bien changé quand même. Hop. On dirait pas comme ça, parce que sur le papier, non, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé pour chaque sort. Ok, donc pour le yop, c'est bon. On peut placer Sacrior maintenant. Ah, c'est ça. Oui. Vous pouvez voter pour le Sacrior dès maintenant, PVP 1v1 les amis. Il ne nous restera que le Kra après. Je pense que l'Iop est toujours sujet grandement à l'érosion et surtout au fait qu'il peut pas se soin. Mais ouais. Bon, ça a commencé à s'équilibrer bien comme il faut. Mais vous êtes quasiment tous d'accord pour le mettre en A. Ça m'étonnerait que la courbe change. Salut Big Brother, comment tu vas ? Le Yop n'est pas sensible à l'héros vu qu'il a double vita. Ouais, mais ta vita, au final, elle descend au fur et à mesure que t'es érodé. Je veux dire, le sort vita te donne de moins en moins, non? Après, c'est vrai que maintenant, ta vita est vertu. C'est chaud, quand même. Donc, vous êtes d'accord pour mettre le Sacrior ici. Après, le savoir où le placer exactement, je le fais un peu à ma guise. Je pense qu'il est quand même là. Ok. Le debuff, ça nique le yop. Ouais, beaucoup de classes, pas beaucoup de classes sont capables de debuff, contrairement aux 8 classes sur 18 qui peuvent éroder. Ça change quand même beaucoup de choses. 11 votes pour le A. Hop. Et on peut partir sur le Kra. Vous pouvez voter maintenant pour le Kra. Oh, excusez-moi, pardon. C'est reparti, vous pouvez voter maintenant pour le Kra dans le chat. Ouais, le Sacrior, en vrai, je pense que, tout comme le Yop, je pense qu'il est joué quand même pas mal d'éléments PVP, mais ça doit être beaucoup feu qui doit ressortir. Oh, merci, Zero IQ. Je suis désolé pour le bruit que vous venez d'avoir à l'instant. Donc ouais, le Kra, vous le mettez quand même en SS? Est-ce que vous... Ouais. What the fuck? PVP 1v1, le Kra en SS. Après, c'est vrai qu'il est vraiment beaucoup représenté. Ah non, après, vraiment, objectivement, le Kra, c'est quand même costaud, hein, l'acuité, tout ça. Après, on parle encore une fois, on prend l'exemple type d'une personne qui jouerait bien à sa classe, pas à 100%, mais genre à 80%, tu vois. Ça peut faire de bons gros dégâts, mais si tu counter sa phase dégâts, il fait beaucoup moins. Vu que c'est un personnage qui se charge. Le nerf de la représaille, ça a beaucoup changé de choses. Ça a changé beaucoup de choses, pardon.
Qu'est-ce qui a changé sur le CRA depuis que j'ai arrêté de jouer pour qu'il se retrouve en A, en SS, pardon. Après, je suis d'accord avec vous, hein, encore une fois. Hein. Les maps. La flèche de jugement. Il a été up. Ah ouais. T'avais pas vu qu'il avait été up le crâne. Bon, en vrai, la vérité s'est rétablie un peu, je pense. En B. Après, quand même, 34% de gens qui ont voté SS, ça mérite peut-être un revote entre SS et B, pour vous laisser le choix. Pour vraiment centraliser vos votes. Je vais vous le remettre. On va laisser SS ou B. Vu que c'est une tier list de popularité avec les votes du chat. Attendez. Vu que c'est une tier list de popularité avec les votes du chat, je suis un peu obligé de faire comme ça parce que. Qu'on départage véritablement vos choix. Parce que des fois, tu peux te dire ouais, c'est un SS lui. Et puis d'un coup, tu dis c'est quand même plutôt un A finalement. Mais c'est, ça serait un bon SS. Mais. Enfin. Ceux qui le mettent en C par exemple et qui se disent ouais, mais il y a des gens qui disent SS, ça se trouve en fait, c'est peut-être un B quand même. Je vous laisse voter. Et on mettra le CRA en fonction. A plus, Bag, merci de passer. J'avoue que c'est pas le bon choix, Tortok. Torcoq, pardon. J'avoue que j'aurais peut-être pas dû écrire ça. Mais bon, c'est pas grave. SSS+, plus, c'est Super Saiyan, ok? Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est bon. On voit bien que le B est quand même bien plus représenté pour les cras. Même si très clairement, je le trouve au-dessus d'un Sadida, perso. Après, voilà. Ouais, c'est pour ça, je vois Torcoq et je vois Tortoik, moi. Quelqu'un l'a fait tout à l'heure, Tortoik. Quelqu'un, Torcoq. Quelqu'un l'a fait tout à l'heure et il s'est pris un ban parce que il a été moins... il a moins tourné le truc comme il faut. Il s'est pris un ban, il s'est pris un Théo, je crois. Ok, on a fini avec cette petite tier list. C'est vrai qu'elle peut faire sourire un peu parce que voilà, on a fait voter tout le monde. Vous êtes quand même 200. Bon, vous n'êtes pas 200 à avoir voté. Hein. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous ont AFK mental devant un petit café ou une série. On va pouvoir parler un peu du positionnement des classes. On va mettre en lumière en premier la catégorie SS God. Selon vous, dans les SS God, lequel a la première place? Ok. Bon bah c'est bien, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus pour la tier list.